Travaille coup de coude dans la pointe des ischio-phoïdes, ici la pointe du sternum, coup de coude arrière ou revers du poing dans les parties, soit poing fermé, soit patte de tigre ou main ouverte, comme vous voulez. Donc on se met face au point d'ancrage, on prend donc un élastique soit avec des poignets, soit sans poignets, peu importe. Donc je mets ici face, ici au point d'ancrage. Je vais venir faire le coup droit d'abord. Donc pour ça, je viens vraiment fléchir la jambe gauche, tendre la jambe droite, d'accord? Ceci. Et je regarde derrière moi. Hop, coup de coude au niveau appendice ischio-phoïde. Je reviens devant. Tac, un. Donc je dégage ma hanche à droite et je viens frapper. Ok, l'autre main va venir maintenant en couverture. Ici en couverture, coucou, tac. Ok, donc on va travailler soit coup de coude au niveau sternum, soit même visage. Hein? Et si je recule, au plus je recule, au plus je vais avoir de la tension évidemment et de la résistance quand je vais tirer. Voilà, un. 2, 3, je vais encore reculer un petit peu, 1, 2, 3, et donc bien venir à chaque fois dégager du côté où je viens frapper. Même chose ici pour revers génital ou main ouverte. Ou alors coup de coude. Donc voilà, travail de renforcement et travail technique en même temps, coup de coude et revers.